Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 16 mai sur l'hippodrome d'Auteuil. Avant cela, retour sur le quintet de la veille qui avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le numéro 7, Alfieri, coiffe le numéro 16, Zalamea, au poteau, et permet à Turf Sélection de réaliser l'exploit de donner le tiercé dans l'ordre, faisant plus de 3068 euros. Du côté du concours de pronos gratuit, mettons en avant trois compétiteurs nommés Duvaufrane, Jean-Alain et Patou 44, qui s'emparent respectivement des trois premières places du classement du jour grâce à un tiercé et des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois. Allez, étudions maintenant l'un des plus beaux quintets de l'année en obstacle. Direction l'hippodrome d'Auteuil en ce samedi 16 mai 2020. La grande course de Het Printemps, très joli groupe 3 concouru sous la formule handicap, a fait le plein. En effet, ce sont bien 20 sauteurs de talent qui s'affronteront sur le parcours de haies long de 4300 mètres. Sur une piste roulante, nous devrions assister à une course totalement folle du départ à l'arrivée. Déporte-toi, le numéro 1 s'élancera avec l'immense confiance d'un François Nicole, espérant le voir signer une troisième victoire de rang et du même coup le plus beau succès de sa carrière. Danse avec Jersey, le numéro 3 tente sa chance dans les gros handicaps avec de belles ambitions. Pour son premier essai à ce niveau, il paraît de taille à rivaliser avec les premiers. Bébé d'or, le numéro 8, a une classe totalement folle. Pierre Dubourg le connaît sur le bout des doigts et pense qu'il peut battre le favori de l'épreuve. Staunton Street, le numéro 7, est lui aussi entraîné par François Nicole. Se tenant de près avec Danse avec Jersey, le numéro 3, il peut aussi terminer dans les 5 premiers. Yellowfield, le numéro 17, dont la régularité parle pour lui, semble encore en mesure de conclure dans le quintet plus. Le Mans, le numéro 10, qui termine toujours remarquablement ses parcours, aura lui aussi quelques fans. En cas de non partant, Guadeloup, le numéro 4, autre atout de François Nicole entrerait alors en scène. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon quintet plus et à demain pour une nouvelle minute quintet.